Bien le bonjour à tous, c'est Ultimate John Dome pour des infos et aussi de nouveautés que je vais vous en parler avec un autre jeu live qui arrivera prochainement et que ça sera prévu d'ici les prochains jours pour ma chaîne. En attendant de mettre pause sur Doom 1, que je suis un peu dans la difficulté et l'impasse et que je vais devoir corriger avec ceci d'ici le temps libre. Et encore, j'ai un autre projet que je vais effectuer, que je vais vous expliquer un peu plus tard. Et aussi à ceux qui ne perdent pas patience et aussi que je vous invite à découvrir les autres jeux sur ma chaîne. Enfin, les vidéos si je peux dire. Pour commencer, depuis que je me suis arrêté sur Doom 1 avec la plus grosse partie que j'ai fait sur l'entièreté des jeux l'entièreté de certains niveaux que j'ai su franchir, je me suis arrêté sur la partie qui est à la dernière ligne droite et que je n'ai pas su continuer parce que je n'ai pas beaucoup de temps libre, mais je vais quand même le faire dès que j'aurai la possibilité de le reprendre. Mais il y a aussi un autre truc que j'aimerais vous en parler. Il y a un autre jeu qui arrivera prochainement sur ma chaîne, que ça sera en live. Et que c'était le tout premier remake qui avait été fait depuis la version PSP. Il s'agit de Medieval Resurrection. Comme c'était le premier remake qui a été lancé sur PSP de l'époque, je l'ai joué plusieurs fois, mais je n'ai pas fait les trophées parce qu'en fait, il fallait s'inscrire sur le PSN du PS Plus pour PlayStation Portable pour avoir la possibilité de faire les trophées. Mais depuis qu'ils ont mis Sony a mis dans le PlayStation Store, je l'ai utilisé et je me suis lancé avec la PS5 et j'ai eu tous les trophées et le jeu était entièrement facile, est toujours le même gameplay et ainsi de suite. Mais à part qu'il y a plusieurs éléments qui ont été changés, qui n'ont pas utilisé tous les moyens de l'original ou premier remake, que Gallomer, ce n'est plus Gallomer, c'est la Potency. Que le trajet, les différentes scènes et ainsi de suite, et l'histoire est toujours le même, pour être plus précis. Mais il y a certaines scènes et scénarios qui ont été changés, que vous allez découvrir dès que ça arrivera sur la chaîne. Pour vous dire la suite, c'est que je le ferai avec plaisir, même si bien sûr certains fans de Medieval ont peut-être des avis médiocres selon mon avis et que je me plains pas, c'est leur raison, c'est leur avis, et je les accepte. Bref, avant d'expliquer la suite concernant le projet que j'ai expliqué au début de la vidéo, je vous invite à découvrir les autres vidéos sur ma chaîne. Il y en a ceux que, quand j'ai regardé les statistiques et aussi les temps réels des spectateurs ou nouveaux spectateurs qui ont regardé mes vidéos, il y en a quelques-unes des anciens vidéos qui ont plus d'un mois qu'ils ont été vues. Et que je vous invite à découvrir les autres vidéos sur ma chaîne parce qu'en fait je vais vous expliquer pourquoi. Et que vous pouvez éventuellement regarder, commenter, liker, ou même pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous si vous voulez, non abonnés. Mais j'aimerais simplement une chose à suggérer pour vous, regardez jusqu'au bout ou en demi-partie parce que comme ça j'aimerais beaucoup avoir des statistiques positives et même aussi que j'aimerais oublier cette partie de 30 secondes d'aperçu et une vue pour les non-abonnés qui continuent à regarder ce genre de manière-là. Et que, par gentillesse que je veux dire, non-abonnés, regardez jusqu'au bout ou en moitié s'il vous plaît. Pour ce projet que je vous expliquais depuis le début de la vidéo, je suis occupé de faire quelque chose d'un projet qui est en pratique seul, que je pratique seul. Et que je fais des montages, je fais des enregistrements personnels avec mon GSM pour pouvoir l'ajouter sur un montage vidéo que je vais effectuer prochainement. Et que ça prendra
un mois de pratique, enfin un mois de pratique, je veux dire un mois de travail, et que j'aurai beaucoup de temps à monter chaque vidéo enregistrée pour pouvoir le préparer pour les 3 ans de ma chaîne qui aura le 4 octobre 2023 de cette année. Et que ça sera pour les 3 ans de ma chaîne depuis le 4 octobre 2020. Pour certains d'entre vous, abonnés, non abonnés, soyez patients, ce projet prendra beaucoup de temps en journée, et aussi que je souhaite que ce futur vidéo que je vais monter va vous impressionner, et aussi que ça sera une bonne place pour ma chaîne, pour les 3 ans de ma chaîne. Pour d'autres infos, je vous invite encore une fois à regarder les autres vidéos, et aussi que les sorties de vidéos prochainement continuera, mais les lives seront en pause pendant un mois pour que je puisse me focaliser sur ce projet, et que pour vous tous, il y a encore d'autres vidéos qui peuvent être visionnées par vous, et que je souhaite entièrement que ça vous fera plaisir, et aussi de découvrir chaque gameplay, chaque moment ou scène, et que vous pouvez éventuellement, par suggérer, mettre un timecode, lesquelles des scènes vous a plus marqué dans chaque vidéo que vous observez, et aussi que vous pouvez commenter quand vous voulez, et que vous pouvez liker bien sûr. Pour d'autres infos et aussi nouveautés, je vous citerai dans la prochaine vidéo annonce, et je vous tiendrai au courant concernant le projet qui est en cours en ce moment même. N'oubliez pas de liker, partager à ceux qui sont fans du rétro gaming, et n'oubliez pas aussi d'appuyer sur la petite cloche pour être informé des prochaines sorties de vidéos, et aussi des vidéos annonces à n'importe quel moment. Et aussi, vous pouvez bien éventuellement vous abonner et commenter si ça vous plaît de savoir ce que c'est, et aussi sur les autres vidéos en même temps. Que la passion Ultimate John Doom et jeux vidéo continue à tous.